soir, tu étais au Nomad Reggae Festival. On a pu voir dans ta story que du coup, bah, il y a eu la grosse tempête, ça a été annulé. Tu parles aussi de casse matérielle. Ouais. Est-ce que cette casse-là, elle va impacter le concert de ce soir ou est-ce que vous avez trouvé des solutions? On a trouvé des solutions et on a eu de la chance, c'était moins grave que prévu. Mais en fait, la pluie a mouillé tout le matériel et on ne pouvait pas prendre le risque de rallumer les claviers avec l'idée qu'on n'allait peut-être pas pouvoir ceci. On avait une chance, c'est qu'ils sèchent sur le chemin et pouvoir les rallumer pour aujourd'hui. Si on les allumait hier soir, il y avait une chance qu'ils claquent et que donc on avait encore ce soir et demain aussi on sera à Easter and Rock. Donc on s'est dit, je me suis dit, je vais jouer en sonde, on va pas jouer avec le groupe, je vais quand même essayer de faire quelque chose pour les gens qui sont là. Et finalement la scène était trempée, c'était compliqué, la programmation a été retardée et on devait partir à une certaine heure pour pouvoir arriver aujourd'hui avec l'autobus. Et tout ça a fait que finalement on n'a pas pu jouer hier. J'étais hyper déçu pour les gens qui étaient venus, et ceux qui étaient, particulièrement ceux qui étaient venus nous voir. Mais voilà, c'est pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire grand chose contre. C'est là où tu es en colère aussi. C'est là où je suis frustré. Pour rebondir. C'est là où je suis frustré, effectivement, et c'est moins cool. Merci Taïro d'avoir répondu à nos questions. Ne vous inquiétez pas, ce soir tout va bien se passer. Il n'y aura pas de problème et vous pouvez retrouver Taïro sur la scène Amazon à partir de 22h. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Pas d'histoire, pas de voyage.